j'espère que ça va bien. On va voir de plus près qu'est-ce qui se passe du point de vue sentimental pour vous. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, vous pouvez toujours aussi regarder mes plus vieux vidéos ou juste les titres. J'ai un nouveau deck, puis je sais qu'on n'est pas encore dans ce temps de l'état. Mais il est mauve! Ils sont cute! C'est tellement des belles cartes. Ooh! What? On va voir. Ouais, vous êtes parti, je pense que vous venez d'un endroit où vous cherchiez. Cherchez l'âme sœur, cherchez la bonne personne, activement, là. Ouais, il y a eu un burn-out. Je pense que vous êtes... comme plusieurs, là. Je pense que vous êtes allé sur plusieurs dates, vous avez donné de chance à plusieurs personnes. Puis ça peut être juste aussi de, sur les internets, de rencontrer les gens, de commencer à communiquer avec. Puis il y a eu, on dirait qu'il y a eu un petit burn-out émotif. Oh, vous revenez à la vie! Vous revenez à la vie. Il y a quelque chose qui... Attends une minute, là, on va le voir de plus près. Littéralement, vous avez cherché. Vous avez cherché, 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 puis... Jusqu'à vous épuiser émotivement. Jusqu'à faire comme... OK, il y a rien. C'est un buffet, mais tout est passé date. Tout est flétri. Il n'y a rien de frais. Puis là... Qu'est-ce qui s'en vient? C'est un oiseau-mouche. Un oiseau-mouche qui va vous donner du vent dans les ailes, mais c'est quand même une carte qui dit, tu sais, un oiseau-mouche, ça peut pas voler trop haut. Faut que ça boive beaucoup, hein, parce que ça dépense beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Fait que il faut toujours qu'il y ait une source d'eau pas loin. Une source émotive pas loin. L'eau, c'est de l'émotion. Puis moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est comme si, freak pas, respect, c'est comme si pendant longtemps vous avez cherché jusqu'à vous épuiser, jusqu'à aller même sur des dates, puis aller sur des dates avec des personnes avec qui peut-être qu'avant vous auriez même pas laissé votre, une chance, puis c'est de faire comme, qu'il y a vraiment rien. C'est comme si là, il y a peut-être quelqu'un qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a de l'allure. On dirait que c'est quelqu'un qui a peut-être un potentiel de développement amoureux avec, mais il faut le dire, les tirages de sentimentaux de ce mois-ci, c'est très avec un spotlight, un emphase sur le temps, de pas aller trop vite. Que même si vous avez eu soif parce que vous étiez dans le désert, ah, regardons, puis avec l'eau, même si vous avez eu soif parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions, ou peut-être que vous avez rencontré les gens, mais ça se développait jamais aussi. Tu sais, ça peut être ça, là, vous l'adaptez à votre situation. Là. Puis que là, vous rencontrez quelqu'un qui est quand même pas si pire. En tout cas, il y a vraiment l'aspect du temps, là, pas aller trop vite. Même si la personne a l'air d'avoir un potentiel, même si vous deux ensemble, on dirait que ça clique, pas trop vite. Apprenez à vous connaître, ça prend du temps. Le vrai amour, là, puis là, je sais que je vais à l'encontre de tous les rom-com et de tout ce qui n'est pas connaissance personnelle, là. Le vrai amour, là, c'est profond, c'est ancré, c'est calme, c'est de la paix. C'est pas l'euphorie. Oui, ça peut être... tu sais, il peut y avoir comme un petit trip. Je dis pas que c'est plate, là, mais c'est juste que ça vient avec le temps. Puis je le vois dans mes clients privés, je le vois dans la vie de tous les jours. Je dis, tout le monde cherche le vrai amour, mais on dirait que pas beaucoup de personnes veulent y mettre du temps. Puis ça, moi, qu'est-ce que ça me dit aussi, c'est que oui, il y en a des personnes qui se connaissent, mais il y en a beaucoup qui se connaissent pas puis qui veulent pas se connaître, qui cherchent toujours une espèce d'exutoire extérieur à soi. Moi, c'est du channeling que je fais, hein. Fait que ça va rejoindre quelqu'un, c'est clair. Donc... Mais tu sais, le soleil, c'est le fun, mais met de la crème. Puis là, avec comment est-ce qu'il fait chaud, 40. Plus de la 30. Là, la 30, ça marche plus. La 40. Bois. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a soif à quelque part. c'est comme si... Puis là, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont comme « Oh my God, mais de quoi qu'elle parle? » Non, 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 je suis sur un nuage. Mais un nuage, ça se dissipe. Puis tu tombes. T'as-tu un parachute? T'as-tu une ligne de bungee? On a une tannante à matin. Oui! Un mois.
J'appelle cette installation artistique l'audace de la médiocrité. Des gens qui pensent pouvoir rénover une salle de bain, mais qui, même s'ils ont des papiers et de la RBQ et tout, mais qui sont pas capables. L'audace de la médiocrité. À moi. Comment ça se fait de ne pas vu venir? Parce que clairement, qu'est-ce que je fais, c'est au service du collectif, pas au service personnel. Ça va trop vite. Tu sais que ça va. Les personnes à qui ça s'adresse, là, c'est pas comme. Si vous êtes proche de rencontrer quelqu'un, va pas trop vite, tu comprends? Fait que ça, il y a différentes. On n'est pas toutes sur la même ligne de temps, là. C'est pas tout le monde qui est sur la même ligne de temps. C'est juste qu'on dirait que, après avoir été dans un désert émotif, là, il y a enfin quelqu'un qu'on dirait qu'il y a un potentiel, mais c'est de pas comme. Puis Chariot, on dirait que vous faites comme. Oh non, non, mais c'est ma personne. Ça veut pas dire que c'est pas ta personne si tu vas lentement, là. Puis si tu te calmes, puis si tu fais comme on apprend à se connaître, ça veut pas dire que c'est pas ta personne. Pis je sais que dans les rom-coms, puis dans tout les médias, on se fait. Je comprends, là, mais. Wow! Wow, re! Voilà. C'est de l'auto-sabotage. C'est aussi de dire comme, oh, mais si je vais trop, si je vais pas assez vite, puis si je le pogne pas trop vite, peut-être la personne va partir. On n'est pas dans Pride and Prejudice où est-ce qu'après deux rencontres, la personne va te demander un mariage. Secure him. Non. Si la personne part parce que tu veux prendre ton temps, puis tu vas apprendre à le connaître, clairement, c'est pas la bonne personne. Fuck man, t'es taureau. Signe de terre, signe de lenteur, signe de. On prend notre temps, on est ancré, j'ai besoin d'être confortable dans mon environnement. Ça veut pas dire que la personne est une. Est croche, là. Moi, ça, c'est sur ta ligne à toi. D'aller trop vite, ça ne te sert pas, ça va contre ton propre élément. D'aller trop vite, c'est contre tes propres valeurs. Puis je comprends que ça vient peut-être d'une place de peur de dire, ouais, mais si je saute pas sur cette personne-là, puis si je la sécurise pas tout de suite, peut-être la personne va partir. La personne part, là. Capable. Maintenant, l'autre. Tombe à l'envers, je la garde à l'envers. Ah non, c'est vrai, dans lui, on le met pas à l'envers. C'est-tu l'autre qui te pousse dans le cul? On va dire les vraies affaires. C'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est. Chevalier de bâton, l'as de bâton. Puis je dis pas que vos énergies matchent pas, là, parce que toi, t'es représenté par le soleil et le chariot, là. Mais tu sais, un feu de paille, ça peut brûler vite. Comme ça peut faire brûler tout le village. Neuf de bâton. Y a du feu. Bâton en feu. On peut-tu normaliser? Respire. On peut-tu normaliser qu'une relation peut être le fun même si ça dure pas longtemps? Ah là, t'as peur, hein? Ah non, mais je veux quelqu'un longtemps. On peut-tu normaliser que la longévité, d'une relation est pas équivalente à l'importance et la puissance des émotions? On peut-tu normaliser? Ici, qu'est-ce que je vois? C'est vraiment que. C'est comme un début hyper prometteur. C'est comme si c'est super le fun au début. C'est peut-être pour ça que tu as peur d'apprendre à connaître la personne, parce que profondément, si tu t'écoutes vraiment, tu le sais qu'il y a quelque chose peut-être qui ne sera pas compatible. Puis tu te mens à toi-même. Fille qui tire au tarot au fin fond du Québec, là. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Je parle. Si je te parle, ça répond, tu le sais, là. Tu le sais que tu modifies comment tu penses puis comment tu vois la personne pour par rapport à quelque chose que la personne tient énormément. C'est quelque chose que la personne ne va laisser tomber juste vraiment si elle le veut. L'étoile, clairement. Clairement. Belle guérison à travers ça. Voyons. On dirait qu'elle essaie de me donner des câlins, les quatre. Reine d'épée. Communication claire, savoir qu'est-ce qu'on veut et le mât. Ça, c'est clair qu'il faut se parler. Il y a de la guérison à faire.
Puis de la guérison, là, c'est pas juste de dire comme ça, je le regarde, puis je l'amène à ma nouvelle relation d'une manière différente. C'est aussi de dire, voici comment j'étais avant. Peut-être que j'allais trop vite, peut-être que je donnais trop de chance, peut-être que je donnais pas assez de chance, puis que maintenant, c'est de le doser. C'est de doser aussi sa sagesse dans l'émotion, de voir d'où on vient, puis de l'amener dans l'émotion. La reine d'épée, très honnête, 100% honnête envers elle-même et les autres. Quelqu'un qui communique bien, quelqu'un qui écoute activement l'autre. Si l'autre te dit, moi je déménagerai jamais de chez nous, je veux pas bouger de chez nous, nanana, puis toi t'es comme, ah non, mais tu sais, avec le temps, la personne va changer d'idée. Si l'autre dit, je veux absolument pas d'enfant, j'en veux pas, je veux pas d'enfant, puis toi tu te dis, ah, moi j'ai toujours voulu, mais la personne va changer d'idée avec le temps. Écoute l'autre, puis sois honnête avec qu'est-ce qui arrive, avec qu'est-ce que t'entends, si ça se mèche bien. Qu'est-ce que je remarque ici, c'est qu'il y a beaucoup de feu. Beaucoup de feu. Tu sais, c'est très feu et ça devient de l'air. Tu sais, on passe d'une phase très enflammée à une phase plus intellectuelle, plus... tu sais, parce que le mât, c'est bélier et verseau, là. Fait que c'est un mélange des deux. Puis c'est de commencer un nouveau début. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est que le nouveau début vient après... Pas la consolidation, mais vient après une communication, une guérison. Maintenant, est-ce que c'est un ex qui revient? C'est sûr que la carte de jugement n'est pas là. Puis, tu sais, pour les personnes qui veulent absolument que ça marche, c'est d'aller voir si vous vous faites des idées par rapport à quelque chose que l'autre tient énormément. C'est vraiment quelque chose que l'autre ne va pas déroger. Ça ne va pas bouger, là. C'est quelque chose de fondamental que la personne ne va pas bouger. Puis la personne a bien le droit, là. Fait que c'est d'aller voir la guérison par rapport à ça, d'aller parler clairement, puis de regarder c'est quoi les nouveaux débuts. Dans l'extension, on va aller voir qu'est-ce qui vient avec ce nouveau début-là, si c'est avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre. Et pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué dans le descriptif, lien pour les extensions avec Patreon. Si vous avez de la misère avec Patreon, dites-moi-le. Puis j'en ai eu du monde qui m'ont écrit puis qui disent comme Patreon, ça marche pas, je peux pas payer comme je veux, fait que dites-moi-le, fait que ça serait, je mettrais les tirages sur Patreon puis sur YouTube, ça serait les mêmes affaires, là. Ça serait le même club, là. C'est juste qu'il y aurait deux plateformes pour y avoir accès à la place de juste une. Fait que dites-moi-le ça, puis sinon, ben, on se revoit dans 2 semaines. Bonne chance!